qu'un AQPS. Est-ce que c'est un acronyme français tout d'abord? Ah oui, bien sûr. Est-ce que c'est un cheval qui a été accouplé avec d'autres chevaux? C'est souvent le cas. Oui, non, mais c'est souvent le cas, mais... Parce que le jockey est trop petit pour monter dessus. Voilà, ça... ça s'appelle un animal qu'on peut sauter. Avec le PS. Non mais, si vous cherchez PS déjà... Mais il y en a plein, des AQPS. Ah oui, il y en a plein, oui, à tous. Alors voilà. Est-ce que c'est une maladie? Non, non, non. AQPS, si vous trouvez PS, ça sera peut-être plus facile de trouver. Dans l'artiste socialiste. Ils ont été élevés d'une certaine manière. Non mais PS, dans le monde du cheval, ça devrait vous aider, ça. Qu'est-ce que ça peut être? Pouliche. Un PS. Poulain. Persan. Poulain. Qu'est-ce que vous avez dit? Supérieur. Non. J'ai dit persan. Persan. Mais ça... Non, Persan, c'est en un seul mot. Oui, 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 bien sûr. Oui, pur sang. Pur sang, mais oui, quel coup. Pur sang. Qu'est-ce que je suis con. J'ai dit pur sang. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous pouvez pas me changer de place demain, s'il vous plaît? J'ai confondu, j'ai dit pur sang à la place de pur sang. Ouais, bien sûr. N'importe quoi. Alors, est-ce que c'est ça? En Iran, on va acheter des tapis pur sang. Voilà, exactement. Est-ce que c'est ça? C'est ça, pur alors, sang? PS, c'est bien pur sang. Ah. Mais AQ, alors. Est-ce que dans le A et le Q, il y a un adjectif? Non. Non, ni dans le cul, ni dans le A. Qualité. C'est rare qu'il y ait un adjectif dans le cul quand même. Est-ce que c'est quinté, quattro, machin comme ça? Non. Non, le cul. Argus? Non. C'est très simple, hein. Vous avez trouvé que PS. Que par le cul. Que, oui. Que. Bravo. Que. Algérie, que des pur sang. Pardon? Algérie, que des pur sang. Que. Non. Que non, mais là, on est tout près. Que pur sang. Que pur sang. Pas possible. Avec que pur sang. Avec que pur sang. Alors, c'est QE ou QE? Non, mais là, vous avez la réponse quasiment. Il vous reste 30 secondes. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre avant que? Appellation que pour sang. Avant que pur sang. Avant que c'est pas possible. Avec. Mais c'est que comme la queue. La queue du cheval ou la. Non, QE. Ah, QE. À que coucou, non. Encore un hommage à Johnny. À moins que 8%. Non, mais non. Écoutez, c'est tout simple, vous avez la réponse. Acheter que pur sang, mais non, évidemment. Kazachok, c'est un AQPS, c'est donc un... Un amour de pur sang, oui. Bah, écoutez, tant pis pour vous. Ah mais non, c'est pas possible. Et tant pis pour RTL qui aujourd'hui met dépenses. Ah ben vous avez qu'à nous laisser en vacances jusqu'au 10 janvier, tiens. Alors c'est quoi? Bernard Glass va vous le dire. Authentique, non. Qu'est-ce que c'est qu'un AQPS, Bernard Glass? Bonjour. Eh bien, bonjour, c'est un cheval autre que pur sang, Laurent. Mes amitiés à tout le monde. C'est pas un pur sang. C'est une race qui avait été fondée au XVIIIe siècle parce qu'il n'y avait pas assez de pur sang, donc ils avaient mélangé les pur sang avec des chevaux anglais ou arabes et puis ça s'est perpétué. Et ces chevaux sont surtout des chevaux d'obstacle et c'est un cassé d'obstacle qui a lieu mercredi. C'est pour ça qu'on ils ont droit de courir contre des galopeurs et des pur sang. Ce sera mercredi à Pau. Donc on a le droit de mélanger des autres que pur sang avec des pur sang dans ce genre de course. Tout à fait. Et Kazachok, c'est un AQPS. Il inaugure la série des noms pas possibles qui va commencer pour cette année 2018. Hein. Je vous souhaite le meilleur, Laurent. C'est quoi les noms? Alors, je vous signale que dans la course, il y a aussi My Name is Nick. My Name is Nick, yes. Voilà, le numéro 1. Favori. C'est votre favori, très bien. Et un autre insupportable. Alors celui-là, j'ai décidé de ne pas le citer dans les pronostics et personne ne le cite d'ailleurs parce que le temps de le citer, le cheval a déjà passé. Je suis sûr que c'est le numéro 14. C'est le 14, voilà. Takata Katawa. Non, vous êtes trompé, Bernard. Kataka, oui, Kataka. Taka, Takata, Kataka. Ah ben oui, c'est comme le jeu. C'est insupportable. Vous avez aussi... pas les journalistes typiques. Vous avez aussi Rappeur des Mottes, le numéro 13. Tout à fait. Et Adios Clemento, le numéro 3. Ça, c'est bien. On voit que c'est pas que des pur sang. Hein. Non. Ce sont des autres que pur sang, des AQPS. J'ignorais hein, cette appellation concernant les chevaux. AQPS, vous l'utilisez vous-même, Bernard Glass? Oui, tout à fait, Laurent. Ils courent surtout les courses d'obstacles et donc, effectivement, ce sont des chevaux qui sont...
sont préparés justement pour courir contre des sur les haies. Et donc il y en a quelques-uns qui réussissent très bien, hein, mais dans l'ensemble, ils sont un peu moins bons que les pur-sang. Je suis évidemment déçu par Monsieur Bénichou. Je suis sûr que vous avez vu le film Turf que Pierre a écrit et coécrit. Vous l'avez vu, Bernard ? Tout à fait, avec Depardieu, bien sûr. Et oui, avec Depardieu et Pierre Bénichou. Et sans Bénichou. Tout à fait. Je vous souhaite le meilleur, Laurent, et puis beaucoup de rire pour cette année 2018. Ah bah, une bonne année, puis un tuyau pour... Ah ben, on préférait vous le souhaitiez le gagnant, oui. Le meilleur, on l'en a déjà. On va faire confiance à Bodygold pour remporter un nouveau prix d'Amérique à la fin du mois sur l'hippodrome de Vincennes. J'espère qu'il va l'emporter. Comment vous dites le nom ? Bodygold. Bodygold. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, Bodygold ? S'il arrive, il fera un franc 10. Maintenant, il y a de l'opposition suédoise, donc finalement, il sera un peu plus... Il a remporté les deux derniers prix d'Amérique, mais là, il a une véritable opposition suédoise, et c'est pas si évident que ça. Hein. Il sera un peu plus cher qu'un franc 10. Vous voyez, Pierre ? Il faut jamais les laisser parler, les spécialistes. Pourquoi ? Parce que tu sais plus quoi jouer après. Et vous, Bernard, vous avez donné récemment un gagnant ? Celui du 1er janvier, oui, le premier quintet, qui était le favori d'ailleurs, la favorite qui s'appelait Babylon Seven et qui a remporté facilement cette course avec Jean-Michel Bazir. Maintenant, on enchaîne, on va voir si My Name is Nick va pouvoir battre Kazachok. Mais ça, moi, j'aimerais bien jouer pour ces noms-là. Parce que moi, quand je joue de temps en temps, mais j'aime bien aller sur les hippodromes, ouais. Je joue que les noms des chevaux. Donc, s'il y a un nom de cheval qui me plaît, je joue le cheval. Mais j'ai des belles pouliches là, ici, qui sont à QPS. Ça aussi. Je prendrai des photos, je vous les enverrai. J'ai Caroline Diamant qui est bon, elle est bonne dans l'obstacle. Elle saute bien. Ah bah dis donc, on a déjà sa petite réputation. Ah bah elle a fait tout RTL. Comment vous croyez qu'elle anime pas dans l'été? Ah. Oh bah merci. Il faut passer par Bernard Glace pour avoir son émission d'été, hein Bernard. Voilà, tout à fait. On vous